je tiens à vous informer que la séance est enregistrée, puis elle va être rediffusée et accessible sur YouTube par la suite. Et le PDF de la présentation va également vous être envoyé par courriel dans les prochains jours. Donc, nos conférencières aujourd'hui sont Geneviève Brisson, qui est professeure et anthropologue de l'environnement au département Société, territoire et développement de l'Université du Québec à Rimouski, et Lily Lessard, qui est infirmière et professeure au département des sciences infirmières, également à l'UQAR, donc à l'Université du Québec à Rimouski. Suite à leur présentation, on va tenir une période de discussion avec nos conférencières. Donc, vous pouvez dès maintenant et tout au long de la présentation inscrire vos questions à propos du webinaire dans la section Questions et réponses qui est située tout au bas de votre écran. On vous suggère d'écrire vos questions à tous. Donc, il y a un onglet, vous pouvez choisir d'écrire uniquement aux conférencières ou à tous. Donc, je vous suggère d'écrire à tout le monde en sélectionnant cette option, simplement pour que tous puissent voir vos questions et éviter ainsi qu'on répète plusieurs fois les mêmes questions. Pour toute question, peut-être plus de nature technique, si vous avez des problèmes avec le son, avec l'image ou avec votre connexion, vous pouvez adresser vos questions dans le module Converser, également au bout de votre écran. Et Denise, la coordonnatrice du regroupement, va se faire un plaisir de vous répondre et d'essayer de vous aider. Donc, je vous invite également à inscrire dès maintenant dans le module Conversation le nombre de participants dans votre salle si vous êtes plus d'une personne. Enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le PDF de la présentation d'aujourd'hui va vous être envoyé par courriel et on va vous envoyer également un lien pour l'évaluation du webinaire. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à nos conférencières, Mesdames Geneviève Brisson et Lily Lessard. Bonjour et merci beaucoup Isabelle. On va prendre le temps de démarrer la vidéo et démarrer le juste un petit instant, le PowerPoint. Est-ce que c'est celle-ci? Je crois que c'est celle-ci. Oh non, ce n'est pas ça. Juste un petit instant. Peut-être, Geneviève, on pourrait commencer à se Je vais présenter. Je vais commencer démarrer. à présenter. Alors, d'abord, je vous remercie beaucoup. Je remercie chaleureusement le regroupement stratégique en santé mentale pour cette invitation qui nous permet là aujourd'hui de dresser un premier état des lieux, un premier état des connaissances au sujet des bouleversements environnementaux. Alors, pour ma part, je suis Geneviève Brisson, je suis juriste et anthropologue de l'environnement. Je m'intéresse particulièrement aux liens entre la société et l'environnement, donc des dimensions autant culturelles, symboliques qu'organisationnelles, et particulièrement là, par un séjour prolongé comme chercheur à l'INSPQ, je m'intéresse au volet santé environnementale. Ça fait déjà plusieurs années que je collabore avec Lily, avec beaucoup de bonheur, d'abord à l'INSPQ justement, et maintenant comme nous sommes tous deux professeurs à l'UQAM. Donc, ça a été des belles retrouvailles. Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente. Merci au réseau Santé des populations, Regroupement Santé mentale pour l'invitation. J'étais très heureuse de présenter en fait sur ce sujet qui nous importe beaucoup. Comme Isabelle disait, je suis infirmière, je suis professeure au département de sciences infirmières aussi à l'UQAR. Je m'intéresse dans le cadre de mes projets de recherche, surtout à l'organisation des services communautaires, services de première ligne, principalement la prévention et à l'intervention précoce qui vise à réduire l'intensité des troubles mentaux courants. Donc, c'est un peu ça qui m'a amenée à collaborer avec Geneviève là, sur différents projets. Donc, on vous parlera en cours de présentation. Donc, puis peut-être dire aussi, je pense que pour les deux, on a un intérêt marqué pour les situations en contexte de ruralité aussi. Donc, on est membre du laboratoire de recherche sur la santé en région ici à l'UQAR. Donc, vous allez probablement nous entendre là, aborder ces particularités de ces milieux-là, pas exclusivement, mais pour nous qui nous tiennent à cœur dans le cadre de nos travaux.
Donc, alors, très brièvement, ben voilà le plan de la présentation. Donc, après, vous rappelez l'objectif de cette séance, vous expliquez un petit peu ce qu'on peut entendre par bouleversement environnemental et vous illustrez trois cas qui nous permettront ensuite de dresser une liste d'exemples tout en vous présentant l'état de la littérature sur les effets des bouleversements, sur lesquels ensuite on va insister et aborder très brièvement quelques pistes de solutions en conclusion à ce sujet-là. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on souhaitait, c'était mettre la table, finalement, dresser un portrait des connaissances actuelles quant aux dimensions humaines qui peuvent affecter la santé mentale et la santé sociale, donc des dimensions qui sont à la fois individuelles et collectives. Ce souhait-là est associé à des bouleversements environnementaux majeurs. Ce souhait-là, finalement, est volontairement le souhait d'embrasser large parce que c'est un enjeu qui est multifacette, qui fait appel à plusieurs disciplines, mais qui fait aussi appel à plusieurs secteurs d'action, d'intervention et de préparation. Ce regard-là, donc, ne va pas aller dans tous les détails peut-être que vous souhaiteriez, mais permet d'avoir justement cette vision globale-là qui manque trop souvent. On vise aussi un public varié, donc on a volontairement là, ciblé d'avoir justement un regard plus d'initiation à ce volet-là qui va permettre ensuite de façonner des interventions beaucoup plus efficaces, souhaitons-le. Nous nous basons sur différentes recensions d'écrits qu'on a effectuées, Lily et moi, à travers différents projets, différentes interventions et entre autres un projet là, qu'on mène présentement qui est le projet ARICA, et aussi à travers différents projets de recherche d'approche ethnographique que j'ai réalisés, plus particulièrement là, comme chercheur à l'INSPQ. C'est des projets qui étaient associés, donc d'approche ethnographique, on parle d'approche qualitative, de collecte de données par des entretiens et de l'observation participante. Et pour ces projets-là, j'ai été associée à plusieurs autres chercheurs, dont l'anthropologue Emmanuel Bouchard-Bastien et Sabrina Doyon, également de l'Université Laval. Le terme « bouleversement environnemental » peut peut-être en avoir surpris certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on entend par ce thème-là? Finalement, pourquoi l'employer? En fait, dans la littérature, toutes sortes de termes sont utilisés pour caractériser un événement brutal, un changement aussi qui a des conséquences qui peuvent être irrémédiables sur une ou plusieurs facettes. Un changement aussi qui va affecter à la fois des événements, des éléments économiques, des éléments sociaux, des éléments culturels, symboliques et des éléments d'infrastructure. Pourquoi aussi, bouleversement environnemental, un peu comme la santé environnementale, c'est des sources de bouleversements qui sont liées au milieu de vie. On verra que ce n'est pas nécessairement des sources naturelles. Ce terme-là, aujourd'hui, on l'a préféré au terme « catastrophe », qui est un terme sans doute plus courant pour vous. Pourquoi? Parce que le terme « catastrophe » est notamment connoté par des enjeux théoriques dont je vous ferai grâce aujourd'hui, mais je vous dirais simplement qu'une catastrophe, souvent, on va l'associer au mot « naturel », alors que pour les théories plus récentes sur les catastrophes, les catastrophes naturelles sont finalement devenues des bouleversements drastiques et majeurs parce qu'il y avait du travail humain derrière, donc du travail de la société. Il y a également des enjeux éthiques à qualifier les choses de sinistres, de tragédies, de drames ou de désastres, même si c'est des termes qu'on emploie nous-mêmes, là, des fois dans nos écrits. Ces enjeux-là, finalement, au niveau des réflexions éthiques, toujours dans le domaine, peuvent amener à victimiser les gens et
à leur retirer finalement leur capacité d'empowerment, la capacité de prendre possession de leurs moyens pour répondre aux événements. Donc, c'est des enjeux autour de ça. Et finalement, bien, le terme bouleversement permettait, vous allez le voir tout de suite dans les études de cas, d'inclure des choses qui ne sont pas nommées présentement comme des catastrophes, mais qui ont plusieurs similitudes. Donc, j'y reviendrai tout de suite. Un autre terme à utiliser, pourquoi on utilise bouleversement ou catastrophe? Ben, finalement, ces termes-là, il est bon de les distinguer des changements. Puisque, je le répète, il y a un élément brutal, majeur, un événement qui trace vraiment une marque dans le temps, tandis qu'un changement dans les définitions est vraiment un élément plus processuel, une variation de caractéristiques qui va mener finalement à des événements, mais on va saisir la temporalité. Oui, le changement brutal vient de processus, mais finalement, dans les termes, là, on ne pourrait pas parler de changement climatique comme d'un bouleversement environnemental majeur ou de catastrophe finalement. On a adopté aujourd'hui une approche inductive en partie pour donc de présenter d'abord quelques cas étudiés sur des bouleversements environnementaux qui ont eu lieu depuis les 10 dernières années au Québec. Le but des cas finalement, c'est d'abord d'illustrer différents bouleversements environnementaux, donc de bien faire comprendre les causes et les effets de ces éléments-là, et aussi de souligner, comme je le disais il y a un instant, qu'il y a plusieurs similitudes entre des cas qui ne sont pas tous qualifiés de la même façon. Donc, au-delà des étiquettes qu'on peut leur apposer, nous comme scientifiques ou même par les médias, il y a quand même des éléments qui sont semblables et qui méritent, selon nous, d'être compris en même temps, puisque les pistes de solutions, les pistes d'intervention peuvent être finalement empruntées ou inspirées les unes des autres. Les cas vont permettre de montrer aussi comment tous les effets, tous les facteurs, toutes les interventions, mais aussi les processus de réponse sont imbriqués les uns avec les autres. Donc, on va y aller pour un cas qui est tristement célèbre au Québec, le cas de la municipalité de Lac-Mégantic. Donc, un bref rappel du cas, en juillet 2013, il y a eu un accident ferroviaire important au centre-ville de Lac-Mégantic, un accident qui a causé 47 décès puisqu'il s'agissait d'un train d'hydrocarbures qui a explosé. L'explosion, au-delà des pertes humaines, a aussi créé la destruction de bâtiments du centre-ville et a créé un déversement pétrolier important dans le sol et même dans la rivière et un petit peu dans le lac. Suite à cet accident ferroviaire-là, évidemment, les mesures d'urgence sont arrivées, mais le processus ne s'est pas arrêté sur ce moment-là. Donc, à la suite, et même encore maintenant, ben, on est dans la phase de reconstruction suite à l'événement. Avant cette reconstruction-là matérielle, il y a quand même eu une phase de démolition puisque les sols étaient très contaminés. Donc, les bâtiments qui demeuraient debout, comme on le voit sur la première photo, ont finalement été démolis plus d'un an plus tard à cause des contaminations, ce qui a amené aussi la perte du centre-ville tel qu'on le connaissait originellement, et donc la perte de lieux de fréquentation et de lieux qui ont marqué l'histoire de Lac-Mégantic et qui marquaient toujours la fréquentation habituelle. Évidemment, il y a eu des effets également sur la santé mentale des gens. Et au-delà des effets classiques, peut-être de mentionner que ces effets-là ont débordé les personnes directement sinistrées. Ensuite, la reconstruction aussi du lac Mégantic a entraîné des nouvelles façons de configurer. Vous voyez la troisième photo qui est apparue. Donc, cette nouvelle configuration-là amène également un lot de discussions entre les gens et de négociations politiques et interpersonnelles. Donc, il y a une nouvelle image du lac qui se crée maintenant.
Le deuxième cas, c'est le cas de la petite ville de Malartic, en Abitibi, où finalement, depuis le milieu des années 2000, un projet de mine à ciel ouvert a été annoncé et finalement s'est implanté. Vous le voyez sur la photo centrale, le projet de mine. Cette implantation-là se situait dans un milieu qui était déjà habité et on a procédé au déménagement de plus de 200 maisons, mais également à la démolition de lieux qui étaient significatifs pour les gens, comme des écoles, le CPE. On a déménagé le centre de personnes âgées. Donc, des éléments finalement qui amenaient, qui étaient fréquentés là, par la communauté au-delà des habitations personnelles. Une fois la mine implantée, ça a amené des changements importants dans la ville. Certes, oui, la création d'emplois, mais également, on a creusé certaines inégalités sociales, notamment à Malartic, il y a une partie de la population qui fréquente le centre hospitalier en santé mentale et en soins psychiatriques régional qui est situé à Malartic, donc qui sont finalement en habitation dans le village, mais qui fréquentent de jour le centre hospitalier. Ces gens-là, évidemment, n'avaient pas accès aux emplois miniers, mais également d'autres personnes qui sont là n'ont pas tous eu un emploi à la mine. Donc, il y a un creusement des inégalités sociales à cet endroit-là. Et évidemment, ben, il y a des changements très physiques. On peut penser au sautage qui amène des tremblements, qui amène la circulation, qui amène de la poussière, certaines craintes au sujet d'événements spectaculaires, comme vous voyez sur la photo du bas, qui étaient des explosions moins bien contrôlées, on pourrait dire. Et il y a un accroissement majeur de circulation routière aussi dans une petite municipalité qui pouvait être très tranquille. Ça a amené d'énormes tensions sociales et on peut même parler là, de clans qui sont excessivement encore maintenant opposés et qui donc changent toute la donne au niveau du tissu social de Malartic. Le troisième exemple de bouleversement, c'est un bouleversement climatique. Donc, c'est un feu de forêt qui a eu lieu à Béjoinbetz en 2013. Ce feu de forêt-là s'est approché vraiment très près du tout petit village de Béjoinbetz, qui est un village qui n'est relié que par la 138. C'est un village qui avait été isolé jusque dans les années 90. C'est un village qu'on ne pouvait atteindre que par voie maritime. Donc, il est de nouveau coupé de la route au niveau de l'Est et les villages qui sont plus à l'Est sont également coupés de la 138 et de l'accès finalement à cette île, à Québec, à Havre-Saint-Clair. Cet incendie de forêt-là s'est approché pendant plusieurs jours de la municipalité, ce qui a causé quand même des craintes et des incertitudes sur comment on devait gérer la situation, notamment au niveau municipal, et a amené finalement les citoyens à déménager par bateau pour quelques jours à la petite municipalité de Havre-Saint-Pierre qui était à côté. Rien n'a brûlé dans le village. Mais il y a quand même sur le territoire brûlé des chalets, des lieux de villégiature, des pourvoiries qui ont disparu et qui ont amené quand même des enjeux post-sinistres. Ces enjeux-là ont donné lieu notamment à une enquête sur le développement local et à des changements de règles du ministère des Ressources naturelles pour mieux protéger les villages, mais ont laissé également des traces dans la communauté, sans dire des séquelles, mais certainement une mémoire qui s'imprime autour de ça. Bref, on voit que par ces trois exemples qu'il y a plusieurs sources de bouleversement, des sources humaines, des sources naturelles, mais qu'on peut mettre en guillemets parce que finalement, les changements climatiques, on le sait, ont des résonances fortement sur nos modes de vie. Sont causés par nos modes de vie et tout. Donc, des sources qui sont très variées. Et également, les exemples, même très brefs, permettent de voir que les sources des bouleversements premiers ont aussi des échos ensuite dans la gestion des événements d'urgence et dans la façon, finalement, dont, par exemple, la reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic ou la construction de la mine ont amené eux-mêmes de nouveaux effets
aspects sociaux et sur la santé mentale. On voit aussi par ces trois exemples-là qu'il y a différentes sources d'exposition ou différents types. Bien, il y a différentes sources d'exposition. Il y a différents types également d'exposition. On va souvent penser à la première exposition aux gens qui ont vécu directement l'élément traumatisant, ce qu'on pourrait appeler dans les interventions de santé mentale en mesure d'urgence, la clientèle primaire. Mais on voit aussi qu'il y a des gens qui ont vécu au-delà de ceux directement exposés qui ont vécu également la situation, par exemple celles qui ont assumé la perte d'une personne proche, celles qui ont assumé la perte de celles qui soutiennent aussi ces personnes proches-là, on pense aux aidants naturels, à la famille, mais il faut pas oublier non plus les intervenants psychosociaux, par exemple à Lac Mégantic, ces gens-là ont été une clientèle secondaire fortement touchée. Daniel Maltais l'a soulevé notamment dans d'autres études. Et il y a aussi de la population qui se retrouve affectée de façon tertiaire, donc par une expérience traumatisante, par la signification de l'événement. Et par exemple, à Lac Mégantic, bien, c'est toute la région de la MRC du Granit qui se trouve à avoir changé l'image de sa région et à sentir aussi cette chape de tristesse-là qui pèse depuis longtemps. Donc, en résumé, là, finalement, sur ces niveaux-là, voilà ce qu'on pourrait dire des trois cas. Maintenant, qu'est-ce que nous disent, où en est la connaissance sur les effets? Donc, sur les effets individuels et sur les effets collectifs associés à nos... Excusez-moi. Je vais prendre mon souffle. Je vais prendre ton souffle et t'hydrater. Je vais prendre la relève. Si je trouve que c'est très éclairant, la présentation de ces cas-là. Dans un premier temps, on voit vraiment la diversité. Des types de bouleversements. On voulait vous présenter une espèce de représentation graphique pour bien comprendre, parce que plusieurs personnes qui participent à l'activité aujourd'hui doivent être du domaine de la santé mentale, psychosociale, peut-être du domaine de la santé. Puis comment on peut faire le lien entre ces perturbations-là, les impacts sociaux et la santé mentale des individus. Donc, on a choisi de vous présenter un modèle qui a été développé dans le cadre d'un grand déversement pétrolier. En fait, les auteurs s'interrogeaient suite à l'événement de Deepwater, de l'explosion de la plateforme Deepwater Horizon il y a quelques années dans le golfe du Mexique, voulaient créer un modèle prédictif de comprendre un peu qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme effet. Et ils ont utilisé la littérature, entre autres, des événements d'autres déversements pétroliers antérieurs, notamment Exxon Valdez, sur la côte ouest canadienne, entre autres, qui était documenté. On trouvait l'exemple intéressant. Par contre, on veut vous dire, c'est un exemple, c'est un modèle, c'est les études sont en cours encore, qui est appelé à se modifier au fil mais ça permet quand même une bonne compréhension de l'impact, en fait, impact social, impact individuel et santé mentale. Donc, les auteurs ont catégorisé les impacts en trois niveaux d'impact. Le premier étant les impacts environnementaux ou directs qui touchent les domaines bio-psycho-social, donc qui sont directement associés, une conséquence de la contamination dans ce cas-ci de l'environnement, de la destruction d'un environnement. Donc, les impacts associés aux activités de nettoyage qui peuvent porter des risques aux personnes impliquées pour la faune, la flore. Il y a eu des impacts culturels majeurs. Un environnement qui s'est modifié significativement. Il y a plusieurs communautés autochtones qui ont été impactées dans le cadre, entre autres, du naufrage de l'Exxon Valdez. Des impacts économiques, des litiges qui s'en sont suivis, des impacts sur la santé physique à court terme, souvent associés aux activités de décontamination. On pourrait aussi ajouter des impacts, en fait, sur les communautés. On parle souvent de stress aigu, de stress aigu dans les premiers temps d'un événement tel un déversement de cette ampleur. Le deuxième niveau d'impact qu'ils ont caractérisé, en fait, c'est le niveau interpersonnel ou communautaire ou social. Puis Geneviève en a fait quand même part largement dans les trois exemples qui nous ont été présentés, comment que les gens ont réagi finalement globalement là,
à la modification de leur environnement. Ce qu'on a pu voir dans plusieurs cas, dans ce cas-ci ici, c'est l'accroissement de conflits sociaux qui sont venus réduire le soutien social. Puis vous allez le voir un peu plus loin quand on va parler des facteurs de protection. Le réseau social est souvent un important facteur de protection et des incertitudes qui ont été reliées à tout ça. Et suivant, il y a un troisième niveau d'impact, en fait, qui est le niveau individuel, qui est souvent associé, c'est un intrapersonnel ou souvent associé à des impacts psychologiques. Donc, c'est là qu'on voit apparaître souvent les troubles mentaux, des problèmes associés, donc les abus de substances qui sont largement documentés. Il y a des impacts physiques également à long terme qui peuvent être ressentis, soit en lien avec les troubles mentaux ou encore en lien avec les expositions, l'exposition aux différents aléas. Il y a des problèmes de violence domestique, problèmes de comportement qui ont été documentés chez les enfants, adolescents, etc., je dirais. Ce qui est important aussi de retenir dans ces modèles-là, c'est qu'il y a plusieurs facteurs de risque qui peuvent accroître, en fait, ces impacts-là à ces différents niveaux et des facteurs de résilience, des facteurs de protection qu'on va aborder un petit peu plus loin. On souhaitait vous montrer aussi, dans la perspective des changements climatiques qui va amener des perturbations, en fait, au niveau de l'environnement, sans rentrer dans le fin détail de ce modèle qui est fondé, en fait, pour certains d'entre vous qui êtes pas mal, probablement familiers avec le modèle transactionnel d'adaptation stress de Lazarus et Parkman, en fait, qui s'intéresse à savoir comment on perçoit la menace et comment on adapte, en fait, notre réponse à la menace. Dans le contexte des changements climatiques, où j'attirerais peut-être votre attention, c'est, il y a une menace, il y a une évaluation de la menace, une évaluation de la capacité d'adaptation, puis on parle de l'individu comme des collectivités. Il y a également une réponse en lien avec l'interprétation. Donc, les gens vont chercher c'est quoi la cause de tout ça. Puis, on voit souvent, lorsque c'est d'origine plus anthropique ou technologique, le niveau là, de stress peut augmenter beaucoup lorsqu'on parle d'une catastrophe naturelle. Tout ça va venir influencer la réponse. Donc, on retrouve encore le modèle de Falkman, puis qui va venir, dans le fond, caractériser les impacts psychosociaux sur les individus, la communauté. Mais on attire votre attention, en fait, sur la flèche qu'on trouve au-dessus de tout ça. Dans le contexte de changement climatique, on a une situation qui est susceptible de se chroniciser. En fait, un risque qui risque d'être présent de façon continue, c'est que ce risque va venir influencer notre façon d'évaluer la menace de nos capacités d'adaptation. Donc, pour voir maintenant ce qui était peut-être plus dans un continuum, maintenant comme un cycle. Puis, on va changer éventuellement nos façons de percevoir la menace, notre réponse et l'adaptation. Encore là, dans ce modèle-ci, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs facteurs, des modérateurs qui vont venir influencer à chacune des étapes de ce processus-là. Donc, il y a des caractéristiques individuelles qu'on va aborder plus loin, des caractéristiques liées à l'incident, à l'environnement physique, puis des caractéristiques qui sont associées à la communauté. Donc, c'est un petit cours rapide là, théorique 101. Mais donc, justement, cette processualisation-là des choses dans le cas des changements climatiques va même changer la qualification. Est-ce qu'on est encore dans des catastrophes quand c'est récurrent? Donc, même de changer la qualification va avoir des impacts sur les perceptions, mais aussi sur les actions qui sont posées. Exactement. Ça devient vraiment un enjeu important. Tout à fait. Alors, si on y va justement par en fait, en présentant tout ça, on s'était dit que probablement qu'il y avait plusieurs personnes du système de santé et de services sociaux qui allaient être présents aujourd'hui. Puis on a voulu volontairement mettre l'accent sur les effets sociaux qui sont peut-être plus méconnus, en fait, des gens du système de soins. Donc, on va prendre vraiment le temps de faire le tour des effets sociaux, si vous permettez. Alors, où on en est dans les connaissances sur les effets sociaux de bouleversements environnementaux? Ben d'abord, il y a différentes classes d'effets. La première classe, les effets de type économique. Par exemple, on peut penser à des pertes commerciales, comme ce qui s'est passé à Lac-Mégantic, où les commerces ont été pulvérisés. On peut aussi penser à des pertes de ressources, par exemple, une forêt qui brûle ou une terre agricole là, qui est inondée et qui, pendant quelques temps, n'est plus utilisable. Il y a aussi des pertes de valeur foncière, la valeur des maisons, la valeur de propriété, la valeur des terres. Dans le cas de l'érosion côtière, notamment, ça devient vraiment un enjeu important.
Il y a des inégalités qui s'accroissent également, c'est assez bien démontré cette situation-là. Donc, malgré le fait qu'il y a des effets économiques positifs, il y a quand même un fossé qui se creuse entre les plus avantagés et les plus désavantagés. Et dans le domaine des ressources, ben à long terme, ce qu'on voit également, c'est que même s'il y a des effets très positifs économiquement à court terme pour une collectivité, quand on regarde dans le long terme, dans l'investissement pour les infrastructures, mais aussi dans les pertes à long terme, ça solde habituellement par des effets négatifs. Par exemple, dans le cas minier, ce serait un bon exemple. Il y a des facteurs qui font varier ces effets économiques-là, par exemple la nature du bouleversement elle-même, la taille des entreprises plus grosses ont plus de résilience que des petites entreprises familiales, par exemple. Initialement, quel était le contexte initial? Par exemple, à Malartic, on avait déjà un enjeu de dévitalisation, puis un enjeu avec des populations déjà vulnérables. Donc, ce contexte social-là perdure, n'est pas effacé, mais plutôt est masqué parfois par les nouveaux bouleversements, mais perdure tout de même. Les processus de compensation vont jouer un rôle vraiment important sur les fossés, les inégalités, les pertes, évidemment. Et toutes les politiques publiques qui finalement sous-tendent de l'ensemble peuvent favoriser ou défavoriser certaines personnes, faire en sorte notamment que certains ne seront jamais indemnisés. Il y a une autre classe d'effets qui est sur les infrastructures et les services, que ce soit les services de santé, mais également d'autres types de services. Donc, on peut penser, par exemple, à des bris, des démantèlements de routes, des démantèlements d'aqueducs. On peut aussi penser à des endroits qui deviennent tout d'un coup inaccessible, comme j'en parlais pour Béjoin-de-Betz. C'est la croissance également trop rapide, ça a été le cas à Malartic notamment, peut amener des fortes demandes, une forte pression pour construire des nouveaux quartiers, avoir des nouvelles écoles, avoir aussi plus de services de santé. Donc, ces éléments-là sont à prendre en considération. Il y a évidemment des pressions sur les urgences et les services de santé. On peut aussi penser à l'apport des nouveaux travailleurs qui amènent des nouvelles demandes, ne serait-ce que pour un médecin de famille. Et il y a des effets secondaires qui sont liés à le besoin de nouvelles constructions et qui amènent aussi des reconfigurations de quartiers. En fait, en soi, ça accélère finalement ce qui est le développement habituel. Mais cette accélération-là, elle devient un effet social parce que les capacités locales et les capacités régionales ne sont pas toujours au rendez-vous. On n'a pas toujours des super aménagistes pour pondre un nouveau quartier en un clin d'œil. On n'a pas toujours l'argent pour ou les pompiers quand on a des villes qui n'ont qu'un pompier salarié et tout le reste est un pompier volontaire. Ce n'est pas nécessairement des facteurs qui vont faciliter les choses. Et encore une fois, la façon dont la crise va être gérée va amener un facteur aggravant si la gestion n'est pas faite en cohésion avec le milieu. On connaît bien les effets communautaires, c'est les effets auxquels on pense habituellement. Je voulais juste attirer votre attention sur les groupes communautaires qui, au Québec, maintenant, sont finalement le filet de sécurité, puis presque les premières répondants dans plusieurs situations. Donc, ces groupes-là sont fortement appelés dans le cas de bouleversements environnementaux. Ils sont même volontaires pour y faire face, mais ils doivent répondre très rapidement et ça accroît aussi leur charge de travail. Et on le sait, maintenant, on est financé dans les groupes communautaires beaucoup plus au projet que par mandat. Donc, ce financement-là par projet n'est pas facilitant pour répondre très rapidement à des demandes dans les milieux. Et la taille aussi des organismes, le fait qu'ils sont souvent déjà à bout de souffle, n'aide pas du tout. Il y a aussi, au niveau de facteurs, est-ce que les réseaux existants se resserrent ou est-ce qu'au contraire, on perd des gens qui notamment pourraient déménager? Est-ce qu'on est dans des milieux ruraux? Oui, les gens sont plus tissés serrés, mais les distances sont beaucoup plus grandes à parcourir. Il y a moins de volontaires, il y a moins de personnes. Et comment finalement les politiques publiques, comme si je parlais de la politique d'austérité, comment elles sous-tendent déjà les situations?
La transformation du milieu est très visible, donc on transforme le paysage, mais on transforme aussi symboliquement notre appartenance, notre sens, notre attachement. J'en parlais avec Lac Mégantic, par exemple. Tout ça va affecter l'identité sociale que les gens vont retrouver ou ne pas retrouver dans leur lieu de vie. Va aussi affecter l'identité touristique, va changer des habitudes de fréquentation de magasins, mais aussi de route, de chemin, et va amener des coûts souvent. Et un facteur qui est très protecteur, c'est d'impliquer les citoyens dans les prises de décision. Donc, moi, non seulement les amener à participer pour donner des avis, mais que ces avis-là comptent réellement dans les choses. Avoir aussi un respect de ce qui est immatériel, de ce qu'on pourrait qualifier de subjectif, qui va au-delà de l'efficacité, donc du comptable, du monétaire et du béton. Mais c'est vraiment prouvé dans la littérature que c'est une clé importante de succès et qui, évidemment, est liée au type de gestion. Le capital social est une autre classe d'effets importante, donc les liens entre les gens, les aidants naturels, les réseaux d'alliances, les personnes aussi qui sont vulnérabilisées. Dans le capital social, évidemment, la création de conflits, j'en ai fait état à Malartic, il y en a également au lac Mégantic qui se sont créés. Et ces conflits-là se sont créés souvent, non face à l'événement lui-même, mais à ce qui s'est passé après l'événement. Donc, comment on visualise, comment on imagine, comment on met en œuvre la reconstruction, le rétablissement. Des facteurs qui aident ou qui nuisent, c'est les expériences passées, l'histoire des cas, et évidemment, ben justement, je le disais, la façon dont la crise est gérée. On parle aussi d'information. Des effets sociaux, la rétention d'informations, les rumeurs, la façon dont des informations complexes sont dites, est-ce qu'elles sont fréquemment données, peu fréquemment, et cette information-là, finalement, est directement liée à l'autre type d'effet qui est la perte de confiance envers les autorités, donc la remise en question de ceux qui ont le pouvoir de faire face à la crise, mais surtout de gérer le post-crise, qui peut amener la création de mobilisations citoyennes, de contre-pouvoirs, mais aussi d'une réaction d'indifférence et de résignation parfois, donc de laisser aller les choses parce qu'on ne sent plus qu'on a prise. Vous me voyez venir, ben, l'implication réelle des citoyens est un facteur majeur, mais également, ben, justement, les capacités que les politiques, que les pouvoirs ont d'inclure ou non. Tu sais, des fois, ce n'est pas par mauvaise volonté, mais simplement parce que la façon dont les lois, les règlements sont faits ne permettent pas facilement cette inclusion-là. Donc, voilà pour les effets sociaux. Merci Geneviève. Donc, ce qu'on a vu précédemment dans les modèles qu'on avait présentés, c'était, bon, certainement l'impact direct peut avoir un effet sur la santé mentale, mais c'est beaucoup les causes, les effets sociaux dans le fond. D'où l'importance de s'en préoccuper. Pour les effets individuels, en fait, on va les aborder. Donc, on serait dans le troisième niveau. On voulait vous présenter cette représentation graphique, en fait, peut-être l'évolution, l'état de la santé mentale individuelle et collective. Puis, je vais essayer de faire un lien un peu avec les différentes étapes au niveau des mesures d'urgence. Donc, ce qu'on voit là-dedans, tout à fait en haut, c'est le rôle des professionnels en santé mentale dans la gestion du stress et vers le rétablissement. En rouge, vous voyez, en fait, c'est l'événement, le bouleversement qui survient. Si on fait le lien avec le cycle, en fait, d'intervention en mesure d'urgence, on parle généralement d'une planification. Lorsque l'événement, bon, est prévisible et imminent, bon, on va parler d'une préparation. On est dans à l'extrémité gauche, en fait, du continuum. Et on prépare l'intervention, en fait, puis l'intervention, ben, lorsque survient le désastre ou le bouleversement environnemental,
l'intervention va être vraiment pour protéger la vie, en fait, protéger les liens. Donc, c'est une phase, si on regarde le petit trait pointillé, en fait, qui est en lien avec l'état mental, ce qu'on, étonnamment, on peut voir, on a une augmentation. On parle souvent d'une phase héroïque, en fait, où les gens vont revoir beaucoup de cohésion sociale, d'entraide, des comportements altruistes qui vont faire face. On parle d'hardiesse aussi dans ces cas-là, entre autres dans certaines interventions. Entrevue qu'on a réalisée, on nous parlait du petit verre de gin qui se mettait sur chaque marche à chaque fois que le niveau d'eau descendait. Bon, il y avait le petit verre de gin qui se buvait dans le fond du courage et tout ça. C'est ce qu'on voit dans les premiers temps souvent d'un événement. La phase en fait d'intervention. Cette phase d'intervention, ce qu'on voit là juste après le désastre, donc en dedans de 2 mois, c'est la phase où on a une grande attention des médias. On va voir beaucoup de ressources arriver dans le milieu. Bon, dans le cas à Montréal, on a vu arriver l'armée à un moment donné, la Croix-Rouge et tout ça. Donc, c'est la phase, je pense qu'il serait plus préventive au niveau peut-être du système de soins et de services sociaux. On va attirer votre attention, en fait, sur la courbe qui descend après la 8e, autour du 2e mois, qu'on tombe plus dans la phase de rétablissement, où c'est là, souvent, on va tomber dans une phase de désillusion. C'est là que les effets sociaux vont se faire ressentir, bon, les retards, les problèmes qu'il y a eu au niveau de gestion de crise, les conflits qui ont pu s'installer, qui vont ressurgir avec des impacts sur la santé mentale. Donc, on voit vraiment, on va tomber dans un mode plus curatif. Nous, ce qui nous préoccupait beaucoup, c'est que cette phase de rétablissement concorde avec, dans le fond, le retrait des médias, le retrait de l'attention, le retrait des ressources externes et repose sur le système, en fait, tel qu'il est, des ressources locales, dont certaines peuvent avoir été impactées, entre autres, dans des cas comme l'acmégantite, qui sont sinistrées et victimes. Je porte votre attention peut-être rapidement sur les petits astérix qu'on retrouve au bas du continuum horizontal, en fait, qui correspond à des dates anniversaires, souvent qui vont entraîner les gens vraiment à se remémorer des événements difficiles. Et ce qu'on voit, c'est que ça peut durer jusqu'à 36 mois, jusqu'à, puis même dépendamment des événements, encore là, c'est très relatif, mais ça peut durer jusqu'à 3 ans. Donc, on est longtemps dans cette phase de rétablissement-là et on ne connaît pas bien, bien ce qui se passe actuellement dans cette phase de rétablissement-là, où reviennent en fait les troubles mentaux. Et on va voir ensuite, bon, passer la 3e année, dans certains cas, une augmentation, des études, entre autres, qui ont été réalisées, on parlait des travaux de la professeure Maltais au lac Saint-Jean, entre autres, suite aux inondations de Saguenay de 96, ce qu'ils ont dénoté, ils sont retournés dans le milieu 8 ans plus tard, c'est une diminution des troubles mentaux, entre autres des états de stress post-traumatique, de dépression. Par contre, il y avait encore des différences significatives dans les taux de dépression, de stress post-traumatique, de dysfonctionnement social, de symptômes d'anxiété chez les gens qui avaient été sinistrés et ceux qui ne l'avaient pas été, donc qui avaient touché. Fait qu'il y a vraiment des effets à très long terme qui peuvent se faire sentir. Donc, rapidement, pour les effets sur la santé mentale des individus, je pense qu'il n'y a pas de grande surprise là-dedans. Je pense qu'on en a parlé. Entre autres, ce qu'on voit par contre apparaître, c'est une nouvelle, des néologismes, entre autres comme avant le désastre, la solastalgie qui est associée à la détresse liée à la destruction de l'environnement, ce qui est un terme qui est apparu au tournant des années 2000. On parle maintenant de stress pré-traumatique aussi, en anticipation, en fait, des événements susceptibles de se produire. Dans les deux premiers mois, comme on a dit, on peut avoir une phase d'RDS, cependant, il peut y avoir des états de stress aigus, on peut avoir beaucoup de la symptomatologie dépressive, des symptômes de type anxieux, l'insomnie, de la colère, l'indignation, de la détresse psychologique. Donc, c'est pour ça qu'on a des équipes terrain, en fait, qui débarquent et c'est tout à fait pertinent. Dans le 2 à 36 mois, en fait, ça, c'est tiré d'une revue de littérature qu'on a réalisée dans le cadre du projet ERICA. On parle, maintenant de stress post-traumatique, de dépression modérée à sévère, troubles anxieux, augmentation de l'utilisation des services de santé, des plaintes somatiques, de l'insomnie, de l'épuisement, différents types de stress, le dysfonctionnement social, les problèmes de couple. Et des crises identitaires, la crainte de la récurrence aussi qui va venir en place. Et à plus long terme, on peut avoir une perte de sentiment de sécurité, certains changements qui démontrent l'adaptation dans les habitudes de vie.
des effets psychologiques, bon, qui diminuent dans le temps, mais qui demeurent présents. On peut avoir cependant une augmentation aussi des effets positifs de la solidarité locale. Bon, comment on s'organise, comment on planifie finalement le prochain événement. Peut-être juste pour terminer là-dessus, avant de passer à la conclusion. Donc, les facteurs de risque, au niveau individuel, les facteurs de protection, c'est sûr que si on agit sur le social, c'est un effet, en fait, facteur de protection individuelle, si on s'entend. Mais ce qu'on a vu, entre autres, dans la littérature, c'est sûr que ceux qui ont vécu des pertes financières ou professionnelles en lien avec le bouleversement environnemental, les pertes récréatives, les personnes à faible revenu, de faible niveau de scolarité, l'état de santé précaire aussi sont des conditions qui augmentent le risque individuel de développer des problèmes de santé mentale. L'âge, les enfants, les personnes âgées sont les personnes les plus touchées. Les femmes, souvent touchées davantage par les troubles mentaux courants. Les nouveaux arrivants, puis ça, on trouve ça intéressant de le souligner, entre autres dans certaines régions qui ont été touchées historiquement par des inondations. On pense à la Beauce. On annonce actuellement un mouvement migratoire important, l'arrivée de nouveaux immigrants, entre autres, pour combler certains secteurs d'emploi. Donc, il va falloir se préoccuper du bien-être de ces personnes-là parce que ce sont des personnes qui sont susceptibles, en fait, de réagir fortement là, à des perturbations environnementales. À côté de ça, on a les facteurs de protection. On a parlé du réseau social qui est vraiment un facteur de protection important. L'expérience antérieure, la catastrophe, comme on a vu aussi dans la boucle là, qui se crée. Le sentiment d'appartenance à la communauté, la connexion avec le territoire, la foi, la spiritualité, c'est un élément qu'on a vu ressortir beaucoup dans la littérature. Je ne sais pas la place que ça prend dans le système, dans nos interventions comme professionnels de la santé, mais pour certaines personnes, c'est très important. Et les moyens financiers, lorsqu'on a des bons moyens financiers, certainement, de mettre en place des moyens de protection. Donc, on vous amène. Pour conclure très rapidement, on voit que sur certains aspects, on manque pas d'informations et ces informations-là, on peut faire des liens, par exemple, avec d'autres situations conflictuelles, d'autres situations de santé mentale. On voit, par contre, globalement, que les connaissances ne se parlent pas entre elles, les disciplines ne se parlent pas entre elles, puis c'est un petit peu notre défi aujourd'hui, puis c'est le défi de nos projets, de faire dialoguer des choses qui ne sont pas naturellement dans les mêmes sphères de littérature, puis dans les mêmes approches théoriques et même des fois des paradigmes. Donc, dans nos pistes de solutions, sans surprise, mais notre première, c'est vraiment l'intersectorialité. Donc, de renforcer cet élément-là et de le renforcer à toutes les échelles. Donc, pas seulement localement, mais même aussi de façon plus centrale. Ensuite, de faire la place à des politiques publiques. Non, mais c'est correct. Ouais, c'est ça. À faire la place à des politiques publiques beaucoup plus inclusives de ces dimensions-là. Donc, puis également, les désectorialiser, justement. On a passé les innovations sociales, les innovations sanitaires, les pratiques émergentes qui sont issues, on a parlé des groupes communautaires, mais carrément des citoyens sont fortement intéressantes. Il faudrait miser davantage là-dessus, mais pour ça, il faut les documenter. Ouais. Donc, c'est ce qu'on s'affaire à faire, entre autres, dans le projet ARICA dont on vous parlait brièvement, puis certainement dans le système de soins, de favoriser la détection, l'intervention précoce. Mais ça demande que les professionnels de la santé et les services sociaux soient au fait, en fait, des impacts. Puis c'est ce que je fais, je m'initie de tous ces impacts environnementaux-là parce qu'on a un rôle à jouer important là-dedans. Mais finalement, ça amène à parler, à apprendre des langages communs ou apprendre des langages des uns des autres, ce qui n'est pas nécessairement facile et naturel. Puis aussi, ça amène à déplacer le regard sur des choses qui sont peut-être moins familières. On pense, par exemple, à toute la gestion, c'est peut-être pas nécessairement la formation de base de quelqu'un qui est en sciences de la santé, mais de regarder comment la gestion peut avoir des impacts sur la santé mentale dans ces cas-là devient très important. Je pense qu'on peut. Oui, on pourrait clore ici. On va clore ici, peut-être aller pour les questions. En fait, c'est...
Isabelle, si on voulait dire, nous, on s'était un peu engagé avec vous, avec le réseau, de revenir, en fait, s'il y a un intérêt avec les résultats du projet ARICA qui est en cours, qui est sur vraiment les changements climatiques, donc aléas climatiques dans les régions de l'Est du Québec, mais vraiment avec des pistes de solutions détaillées, donc peut-être pour un prochain webinaire. Donc, merci. C'est très intéressant. Un gros merci, Lily. Merci beaucoup, Geneviève, aussi. C'était vraiment captivant. Puis, sans vouloir parler au nom de tout le réseau, je pense que vous seriez plus que les bienvenus pour venir représenter les résultats du projet en cours. Donc, merci encore. On a eu deux questions jusqu'à maintenant. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes. Donc, vous pouvez nous écrire. Donc, Lily et Geneviève, je vous lis la première question qui a été proposé par Emmanuel Bédard. Donc, vous parlez de stress pré-traumatique, mais en même temps, on parle aussi d'expériences antérieures de catastrophes comme facteur de protection individuelle. Donc, Mme Bédard demande, n'est-ce pas un peu contradictoire? Comment expliquez-vous cela? Donc, effectivement, je trouve ça très intéressant, puis je serais bien contente de vous entendre là-dessus. Bien, le stress pré-traumatique ne suppose pas nécessairement qu'il y a eu une exposition. En fait, ça peut être juste l'anticipation, ce qu'on a juste simplement à lire les nouvelles. On en parle largement, on sait qu'on est dans un environnement à risque. Oui, il y a des stress qui peuvent se vivre. Ce qu'on parlait, c'est lorsque les événements se vivent en fait à répétition, ce qu'on peut voir, c'est un phénomène de résilience s'installer, des capacités d'adaptation individuelles et collectives. Donc, c'est peut-être deux choses à distancer. Le stress pré-traumatique fait plus appel aux perceptions du risque, puis la résilience suite à des expériences fait vraiment appel à des expériences vécues. Donc, c'est pas du tout les mêmes sphères cognitives et émotives. Merci beaucoup. Ce serait intéressant, effectivement, peut-être de voir si justement la résilience développée suite à une expérience antérieure n'a justement pas un effet réducteur sur le stress pré-traumatique. On le voit dans la littérature. Merci. Donc, une autre question de Christine Dufour-Turbis. Avec l'effet Boomtown à Malartic, avez-vous vu, je pense que c'est Geneviève, tu as travaillé sur ce projet-là, des effets liés à l'arrivée massive d'hommes sur la mine, sur la prostitution dans le village de Malartic? Bien, cet élément-là, au village de Malartic, on ne l'a pas vu. Mais cet élément-là est documenté de façon plus globale là, sur les travailleurs là, d'industrie extractive en général. Donc, c'est vraiment par inférence, mais c'était pas vraiment, ça n'a pas été nommé comme étant vraiment un enjeu. Il y avait un enjeu de surconsommation, mais pas juste de surconsommation de stupéfiants ou d'alcool, mais même un enjeu de surconsommation de biens matériels. Je dirais que dans le cas de Malartic, c'était vraiment plus autour de cette surconsommation-là à multifacettes que les gens nous ont parlé là, d'un défi, là, d'un enjeu. Merci beaucoup. Et la personne vous remercie pour la réponse également. On la remercie pour la question. Voilà. Super. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Si jamais il y a d'autres questions qui viennent, je pourrais faire le suivi, puis on pourra vous les poser. Mais sinon, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, Lily ou Geneviève, je serais prête à donner peut-être les instructions de la fin pour clore le webinaire. Bien, simplement vous remercier. Oui. On a aimé l'expérience. C'est notre première, expérience sur le webinaire. Donc, en tout cas, souhaitant que ça ait été apprécié, mais merci infiniment de l'invitation. Puis, merci de l'occasion de parler de ce sujet-là aussi. C'est qui nous préoccupe, qui nous intéresse beaucoup, puis de donner l'occasion de le partager à travers le réseau, entre autres, le santé. Moi, je trouve que c'est une très belle tribune. Donc, merci infiniment. Merci. Bien, puis merci à vous deux. Je pense que c'est très intéressant. Puis on le voit quand même par l'auditoire, puis la présence, puis l'intérêt que les gens ont porté à la thématique. Puis sur une note peut-être plus informelle, je trouve ça très intéressant d'avoir nos deux conférencières ensemble. C'est une des premières fois en fait qu'on fait ça. Je pense que ça a créé un sentiment d'échange et de complicité qui est pour les gens. En tout cas, on n'est pas avec vous présentement.
Mais c'est tout comme. Donc, c'est vraiment très apprécié. Voilà. Super, merci. Donc, ben voilà, Lily, Geneviève, je vous remercie beaucoup. C'était une présentation qui était excessivement intéressante. Puis, je me permettrai de dire qu'on aura probablement le plaisir de vous réaccueillir éventuellement pour la suite. Donc, lorsque vous aurez les résultats du projet. Puis, pour tous les gens qui ont assisté, je vous remercie infiniment d'avoir participé au webinaire. Puis, je vous rappelle qu'on va vous envoyer par courriel la présentation de Geneviève et Lily aujourd'hui. Et on va vous envoyer par la même occasion un lien pour compléter un petit questionnaire en ligne. Et je me permets d'insister, c'est un questionnaire qui est relativement bref et votre feedback est excessivement important pour nous, non seulement dans une perspective d'amélioration de nos webinaires, mais aussi pour recueillir vos suggestions pour les futures thématiques qu'on pourra aborder dans le cadre des webinaires. On a très souvent d'excellentes suggestions, puis on est justement à travailler notre programmation pour la saison 2018-2019. Donc, vos propositions et suggestions seront très bienvenues. Donc, voilà, je vous avais participé à la dernière dégustation de savoir, donc au dernier webinaire. Lily et Geneviève, vous clôturez l'année 2018. Ça a été une année chargée. On termine en mars cette année, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de webinaires en janvier, février et mars. Donc, merci beaucoup à tous. On espère vous revoir l'année prochaine. Et sur ce, je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.